Salut, salut poto, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Nouveau patch sur Borderlands 3, nerf de Moz, up de Flak. Qu'est-ce qu'il en est réellement? On va voir ça ensemble. Premier point, Flak, donc petit up de la branche Rack Attack. Donc ça c'est bien, amélioration du pet, ça c'est une bonne chose. Moz, au niveau de la grenade, tu sais la grenade qui pop en plusieurs grenades, il y a eu un mini nerf de reciblage, donc il y a un délai maintenant de 2 secondes. Ça n'a pas changé, je pense que ça ne changera pas notre vie, hein, donc à voir concrètement, mais Moz restera toujours aussi pété. Et j'aime Moz, donc moi ça m'arrange personnellement. Flak, ça reste un petit up de cette branche-là, donc ça reste une bonne nouvelle. Les points de gardien, s'il y avait un point qui buguait, ben ça a été amélioré. La banque, tu n'auras plus le problème au niveau, tu sais, quand tu te déconnectais, tu pouvais perdre ton inventaire, ça c'est réglé. Le problème de souris, quand tu rejoignais une partie qui buguait, tu sais, la souris buguait, c'est réglé aussi, etc. Il y a plein de petits changements de réajustement, surtout sur les boss. Là, Gigamind, Gatawaball and Billy's, voilà, je t'épargne l'anglais, qui ont été équilibrés. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà, je te mets le lien en description. Il y a plein de petites choses, plein de petits changements. Je te laisse regarder par toi-même. Moi, je t'épargne mon anglais. Mais bon, voilà, je voulais te prévenir de ce petit patch. Tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu penses de Flak et de Moz, si ça change vraiment ta vie ou pas. Et puis voilà, ben, comme d'habitude, premier sur l'actualité Borderlands FR. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, poto. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.